Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et la moitié de ce quasi tout le monde a un iPhone. Le succès d'Apple est en effet incontestable et naturellement, ce succès en a fait la marque à abattre pour ses concurrents. Mais son principal concurrent n'est pas celui qu'on attendait. Ce n'est pas en tout cas un fabricant de téléphone, c'est tout simplement Google. Et oui, Google qui n'a pas réussi, lui, à imposer son smartphone, ça a été un bide, a eu malgré tout une idée machiavélique qui lui a permis de prendre une longueur d'avance sur la marque à la pomme. Et vous allez voir que plus que le marché des smartphones, le véritable enjeu de cette foire d'empoigne, c'est la maîtrise du marché de la pub sur mobile, qui, au dire des experts, sera tout simplement colossale dans les années à venir. La guerre des smartphones, ça vous est raconté par Xavier Martin. I want to have internet access on my phone. Okay, can I see your phone, please? Yeah, here it is. On assiste aujourd'hui à une véritable guerre publicitaire sur le marché des smartphones. Et la cible à abattre, c'est Apple. Nokia, Samsung ou encore BlackBerry, tous veulent faire tomber la pomme. Car le symbole du smartphone, c'est l'iPhone, notamment l'iPhone 4, qui vient de sortir en juin dernier. iPhone 4. Même si ce n'est pas Apple qui vend le plus de portables, la marque fait le plus gros chiffre d'affaires, car ce sont ces machines qui sont le plus rentables. Aujourd'hui, ils gagnent de l'argent sur la vente de leurs iPhones, de leurs iPads, de leurs iPod Touch. Ces téléphones sont vendus très cher, et c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Comme ce secteur est en plein boom, forcément la compétition est acharnée. Well, my Sprint phone has TV and downloads music. I can check email. I have that. And crime deterrent. What? Try and take my wallet. Give me your... Et ça attire même des concurrents qu'on n'attendait pas sur ce terrain-là. C'est notamment le cas de Google qui a voulu s'attaquer à l'iPhone en lançant son propre smartphone, le Nexus One. Mais le nouveau venu n'a pas tenu longtemps face au poids lourd du marché et sa production vient d'être stoppée net. Je ne pense pas que Google ait des velléités très fortes de devenir un constructeur de terminaux, d'ouvrir des magasins, etc. Je pense que ils l'ont testé avec le Nexus One, ils ont vu que c'était un peu compliqué, qu'il y avait toute cette partie support, enfin que c'est un métier. Donc je ne suis pas sûr que Google veuille aller sur le métier d'Apple. Mais Google avait compris depuis longtemps que le nerf de la guerre, ce n'est pas la machine, mais ce qu'il y a à l'intérieur, en l'occurrence les applications. Téléchargez le top des applications qui vous simplifient la vie. Et pour faire fonctionner les applications, il faut un système d'exploitation. C'est ainsi qu'en octobre 2008, 3 mois après l'ouverture de l'App Store d'Apple, Google dévoile son arme secrète. Ils ont fait une analyse en se disant que le meilleur des moyens, c'était de distribuer un système d'exploitation qui s'appelle Android, de le mettre à disposition gratuitement de constructeurs qui pourra aller concurrencer Apple. Avec ce système d'exploitation gratuit, Google cherche à équiper la plupart des mobiles qui veulent en découdre avec l'iPhone. Ces téléphones, rebaptisés Google Phones, ont progressivement envahi le marché. Et aujourd'hui, ils sont plus nombreux que les iPhones. En s'alliant ainsi aux autres marques, Google gagne sur tous les tableaux. What in the world is that? D'une part, les constructeurs équipés d'Android vont prendre en charge la guerre publicitaire contre Apple, comme ici Motorola. Et d'autre part, Google va pouvoir faire main basse sur l'Internet mobile. C'est un espèce de cheval de Troie pour Google pour être sûr que les requêtes mobiles qui seront effectuées depuis un mobile finiront chez eux et qui pourront bien sûr assurer la régie de tout ça. En clair, ce que cherche à faire Google, c'est capter la pub sur mobile. Avec son système d'exploitation, sa barre de recherche est présente sur un maximum de smartphones. Il ne reste plus qu'à balancer de la pub. Mais pour ça, il faut une régie pour vendre aux annonceurs l'espace disponible. Et ça tombe bien, après une bataille acharnée contre Apple, Google a raflé la mise avec le rachat de AdMob, la première régie mondiale de pub sur mobile. Et ce qui a été intéressant de voir, ça a été la réponse d'Apple avec le rachat du numéro 2, Quattro Wireless, quelques mois plus tard, et la fondation de la régie publicitaire IAD, et de voir maintenant Steve Jobs jouer le rôle de commercial publicitaire de régie. This is what iAds look like. Here's an app, a Wall Street Journal app. And you'll see banners pop into the app. En bref, Apple crée son propre réseau de pubs sur mobile. Mais il ne marchera que sur les iPhones. Comme d'habitude, et contrairement à Google, la marque à la pomme préfère fonctionner en circuit fermé. Je pense que c'est une boîte qui est très différente des autres, qui a sa manière de voir les choses
et qui peut aller jusqu'au bout sur son modèle fermé, quitte à se retrouver à horizon 5-10 ans avec des petites parts de marché. C'est donc l'iPhone contre le reste du monde. Tiens, d'ailleurs, ça ne vous rappelle pas la guerre Microsoft-Apple pour la conquête du marché des ordinateurs ? Une guerre assez largement perdue par Apple qui détient aujourd'hui moins de 4% du marché. Le risque, c'est qu'il se passe la même chose pour l'iPhone et qu'il devienne un téléphone de niche. Mais gageons qu'Apple ne va pas se laisser entraîner dans une stratégie qui a déjà failli la conduire à sa perte. La marque l'a déjà prouvé par le passé. Elle a plus d'une pomme dans son sac et elle n'est pas du genre à lâcher le morceau. Bref, la guerre des smartphones a encore de beaux jours devant elle. Si vous avez moins de 20 ans, vous avez peut-être oublié que le téléphone avance à marcher avec un fil. Bah oui, alors voici un spot de 1982 qui vous le rappelle. Et en plus, on va voir avec ce spot que déjà les PTT gardaient jalousement leur monopole. C'est notre séquence rétro. Quand vous achetez du matériel téléphonique, vous avez intérêt à vérifier qu'il est agréé par les télécommunications. Allô ? Aujourd'hui, plus de 35 modèles portent l'étiquette verte. C'est la sécurité. Allô ?